Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Unboxing avec un vendeur AliExpress, donc que j'apprécie beaucoup ces derniers temps parce que j'ai repris ma toile que j'avais commandée chez eux il y a un petit moment. Et il s'agit de Diapai 5D Painting Store. C'est une filiale de Home Fun, hein, je pense c'est la même présentation, c'est les mêmes diamants. Mais enfin, c'est vrai que c'est un bonheur de faire leur toile. Moi je ne passe plus par Home Fun par rapport aux problèmes que j'ai eus. Donc je passe par Diapai, c'est exactement la même chose. Je vous avoue que je suis pas. Enfin, pour discuter avec eux, c'est vraiment pareil, ils sont très succincts. C'est OK, vous achetez, ils m'envoient les liens et tout ça. Donc je sais même pas si au niveau du service client, ce serait mieux comme fun. Mais ils sont un petit, le prix est un petit peu moins cher comme fun. Écoutez, hein, on va continuer comme ça pour l'instant. Pour information, l'avantage aussi. Quand vous êtes sur des grandes tailles, c'est envoyé par TNT. Et ça, c'est pas négligeable parce que du coup, c'est super rapide. Pour vous donner une idée, j'ai commandé la toile le 17 mai. Elle a été expédiée le 20 mai et je l'ai reçue aujourd'hui le 27 mai. Donc 10 jours entre la commande et la réception. Bah voilà quoi. C'est quand même bien plaisant, j'avoue, que ça se passe comme ça et qu'on n'ait pas à attendre 2-3 semaines. C'est une toile assez grande, vous allez voir, et cette toile elle est un petit peu particulière et je vous en parlerai un peu plus en détail une fois que je l'aurai déballée. Donc on va regarder ensemble tout de suite déjà. J'espère qu'ils n'ont pas changé leur qualité ou quoi que ce soit, enfin, parce que ça faisait longtemps du coup que la toile que j'avais commandée chez eux, je l'avais. Et bah, j'espère qu'ils n'ont rien changé. Donc on verra bien. Donc ça se présente en tout cas toujours de la même façon. Le rouleau, la toile autour et les diamants ici. Hop. La toile, elle n'est pas du tout. Je ne vous montre pas le dessin pour l'instant, mais en tout cas, elle n'est pas abîmée sur aucun des côtés. Hop. Voilà, c'est vide. Alors, comme d'habitude, on a le toolkit Home Fun. Je me demande si d'habitude on a des sachets. Ça fait tellement longtemps. J'avoue, j'ai pas commandé chez Diapai ou même chez Home Fun. Je ne sais plus si d'habitude il y avait des sachets. Bon, en tout cas, on a des sachets. Un stylet avec un multiplacer. On a la fameuse pince qui pince rien. Hein. Je vous le montre parce que ça fait un petit moment et qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. On a la barquette qui n'est pas mal. La cire. Donc, le stylet rose de base avec un multiplacer. Alors avec les, pour le diamant carré, moi je m'en sers pas. La fameuse pince qui pince rien, hein, qui se tord très facilement. C'est pas la meilleure des qualités, mais bon, moi des pinces j'en ai à tire-larigot, donc c'est pas important. Et des petits sachets. Donc ça c'est le toolkit qu'on peut retrouver chez Diapai. On a les diamants. Bon, je vais tout checker après bien sûr parce que vu que c'est un peu comme Home Fun, des fois les quantités elles sont un peu gestes. Mais ça, on regardera après. Je vais commencer par la toile parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette toile-ci. Bon, en même temps, le motif, vous l'aurez sûrement vu dans la miniature. Mais il faut que je vous en parle parce qu'il y a toute une histoire derrière cette image. Et je voulais vous en parler. Alors, déjà, je ne vous ai pas dit la taille, mais c'est une toile 80 par 100. Il y a une raison aussi pour qu'elle ait cette taille-là. C'est tout simplement parce que c'est la taille de l'image originale. Donc j'ai voulu respecter la dimension. Et donc j'ai pris la toile dans la même taille. Hop. Alors on y va. On déroule. J'enlève les quatre coins pour éviter que la toile ne se replie sur elle-même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing AliExpress, j'ai l'impression. Mais en même temps, je crois que ça fait un moment. Hop. Et en même temps, j'ai tellement de toiles. Et puis, pour ne rien vous cacher, j'en ai commandé une autre 80 par 120. Parce que moi, quand je fais des choses, je ne les fais pas à moitié, forcément. Hop. On enlève la mousse. Continue à décoller les quatre coins et après je déplie. Enfin, je déplie. J'enlève les papiers pour vous montrer l'image. Bon, en tout cas, elle a l'air en très bon état. J'espère que je ne vais pas créer de rivière. Quoique là, peut-être, je ne sais pas.
On va bien voir. Allez, c'est parti, j'ouvre. Alors, je pense pas que c'est une image que vous aurez vue ailleurs précédemment, à moins que vous connaissiez l'artiste en question. Mais enfin, moi quand je l'ai découvert, j'ai flashé dessus. J'ai vraiment flashé dessus. Et je comprends pourquoi une fois que j'ai su la signification de cette image. Hop! Alors c'est très coloré, hein, mais c'est tout à fait moi. Hop. Alors je vais manger du noir, hein, clairement. Prendre chez Diapie, je ne sais pas si c'était ce qui va être plus judicieux par rapport au noir. Mais très clairement, Evermoment, pour l'instant, bah, voilà, hein, j'ai ma grosse toile déjà à faire. Et puis le layout qu'ils m'ont proposé, il ne me plaisait pas vraiment. Donc voilà la toile, je vais vous lever pour que vous voyez l'image. Voici l'image. Alors là, on a l'impression que c'est bleu, mais non, en fait, ça va être du noir. Je vous mettrai de toute façon une petite miniature ici. Alors, pour l'histoire de cette toile, tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai contacté l'artiste en question, suit ma chaîne. On a eu l'occasion de discuter, j'ai appris qu'elle faisait des peintures. Par curiosité, je lui ai demandé de voir ce qu'elle faisait. Et bah, là, voilà, j'ai flashé. Elle fait donc ces toiles avec des silhouettes et des couleurs comme ça qui sont juste. Enfin, moi, j'adore. C'est le style que j'adore. C'est le genre de peinture que je pourrais tout à fait avoir chez moi. Enfin, j'adore. Et j'ai flashé sur celle-ci. Et après, en discutant avec elle, elle m'a raconté l'histoire de cette toile que je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, c'est un dessin. Une peinture de Julie Benoît. Et ça me tient d'autant plus à cœur de parler d'elle parce qu'elle est sur la région angevine. Et donc moi, j'habitais là-bas avant. Et enfin, c'est con hein, parce qu'on aurait pu se rencontrer bien avant au final. Mais bon. Comme quoi, le diamond painting permet de faire des belles rencontres. On parle très régulièrement maintenant. Et enfin, voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément. Enfin, voilà. Franchement, et je voulais parler de son travail parce que c'est juste. Si vous êtes comme moi et que vous aimez ce style-là. Bah, je vous invite à aller voir. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tous ses sites, son Instagram, son Facebook. Je vous mettrai tout en barre de description. Mais enfin, voilà. Pour vous donner l'histoire de cette toile, donc, elle s'appelle Baya. Et donc, en fait, il s'agit du troisième prénom de Julie. Et en fait, la toile représente son besoin. En fait, c'est elle, hein, du coup. C'est ça, ça la représente elle. Et ça représente son besoin de liberté. Le fait d'être libre de penser, de s'exprimer et de faire ses propres choix, d'où les explosions de couleurs qu'on peut voir comme ça au niveau de la tête, de la silhouette. Enfin, et du coup, bah, je suis totalement raccord avec ça, avec les actualités qu'on entend en ce moment. Enfin, on est plutôt morose et tout. Et ce besoin de se vider la tête et de laisser exprimer un peu le bonheur et la gaieté, quoi, de faire péter les couleurs dans ce monde pourri pour l'instant, quoi, tout simplement. Je trouve que cette toile elle est très représentative de mon état d'esprit actuel en plus. Enfin, voilà. Donc en fait, quand j'ai vu cette peinture de Julie, bah, je lui ai demandé tout simplement si elle serait d'accord de me vendre son image pour que je puisse la faire en diamond painting. Chose qu'elle a acceptée. Donc déjà, je la remercie encore pour ça. Enfin, je suis vraiment contente de pouvoir faire cette toile. Donc sachez que, enfin voilà, du coup, on a beaucoup parlé avec Julie, elle a des beaux projets. Et sachez que si vous aussi, vous souhaitez prendre ces images légalement, j'entends bien légalement, contactez-la et elle vous vendra son image pour que vous puissiez vous aussi la faire en diamond painting. Alors, elle m'a autorisé à communiquer le prix où elle vend ses images. Elle vend du coup l'image numérique 10 euros. Je trouve vraiment pas ça excessif pour tout le travail qu'il y a derrière, franchement. Puis le feeling est très bien passé, elle est adorable, franchement. Enfin. Donc bah voilà, n'hésitez pas à la contacter. Je vous invite à aller voir son site, à voir les dessins qu'elle fait du coup. Si jamais il y en a un qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à la contacter et à lui demander à la rigueur qu'elle vous vende son image. Enfin, elle est totalement d'accord avec ça. Donc bah, n'hésitez pas si jamais ça vous plaît.
Donc oui, là je suis sereine d'exposer cette image sur ma chaîne YouTube puisque du coup elle m'a donné l'autorisation de diffuser son image. Donc bien sûr c'est pour mon, enfin, c'est pour mon usage personnel, hein. Je ne vais pas faire la toile et puis la revendre derrière. Ça non par contre, clairement non, parce que ça c'est des tableaux qu'elle vend. Donc non, c'est pour un usage personnel uniquement, il n'y a aucun but commercial derrière, on est bien d'accord. Donc ben voilà pour la petite histoire. Franchement, je suis contente et je suis bien pressée de faire cette toile-là. Donc ben, n'hésitez pas. Ouais, si... D'ailleurs, Julie, elle commente régulièrement mes vidéos. Hein, c'est pareil parce qu'elle a une chaîne YouTube. Donc ben, pareil, je vous mettrai tous les liens. Elle a aussi une chaîne Twitch. Alors, moi, je ne maîtrise pas encore trop ça. Mais j'ai eu l'occasion d'aller voir ces petits streams qu'elle faisait. Et franchement, c'est bien sympa. Donc je vous invite à aller la suivre. Au moins sur YouTube, et ceux qui connaissent Twitch et qui ont Twitch, bah, à aller sur Twitch aussi. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Une artiste au grand cœur, comme on peut dire franchement, puis qui a connu le diamond painting, heureusement ou malheureusement, via une de mes vidéos. Si vous l'écoutez parler, elle vous dira malheureusement, parce que du coup, ça lui fait un loisir créatif en plus, et déjà qu'elle en a tellement, mais tellement, elle a tellement de cordes à son arc que des journées de 24 heures, ça ne lui suffit pas. Mais elle a découvert récemment le diamond painting, elle est devenue bah, accro comme beaucoup d'entre nous. Bon, pour la petite histoire de la toile, que vous dire de plus? Bah ouais, non. Ah si, pour la petite histoire aussi, j'avais demandé des layouts du coup sur AliExpress. Donc j'ai bien précisé que c'était une image qui était protégée par des droits d'auteur pour pas qu'ils ne la réexploitent derrière. Alors j'espère que ça sera le cas et qu'on ne la reverra pas bah, en vente sur AliExpress comme ça, quoi. Et pour vous donner, pour la petite anecdote qui pour le coup me fâche un peu et qui a fâché Julie aussi, et je le comprends, j'ai demandé un layout à Manu & Rachel Store, à Diapai et à Evermoment. Et bien figurez-vous que Evermoment, donc attendez, je vous lève pour vous expliquer, que vous compreniez mieux. Là, il y a le nom de... Bon, il est assez flou hein, parce que c'est pas assez... Enfin, c'est très pixelisé. Mais là, il y a la signature du coup de Julie Benoît. Eh bien, au moment du layout, Evermoment a supprimé la signature. Donc, c'est pas cool. D'autant plus que c'est les seuls pourtant à m'avoir répondu par rapport justement à ces droits d'auteur en disant que oui, ne vous inquiétez pas, on n'exploitera pas l'image, on l'a fait que pour vous, machin. Et au final, c'est eux qui suppriment la signature, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça franchement très limite. Bon, en tout cas, voilà. J'ai des rivières qui sont en train de se créer, comme d'habitude. Et je pense que j'ai un problème avec ma table, parce que, comme d'habitude, elle colle sur la table. C'est très statique. Bon. En tout cas, sinon, elle est arrivée en très, très bon état. Franchement, j'ai hâte de la commencer. Donc, bah, tout ce que vous voyez en bleu, là, oui, c'est du noir, hein. Donc j'espère qu'ils sont bien taillés. On va regarder la feuille de route tout de suite pour que... Enfin, je referme la toile, je vous reprends tout de suite. Bon alors voilà, j'ai refermé la toile, j'ai ouvert les paquets de diamants pour éviter de faire trop de bruit sur la vidéo. Et du coup, je vous montre. Donc on est bien sur un 80 par 100. Donc on retrouve l'image ici. Et en tout, on a 43 couleurs. Bon, c'est satisfaisant. Parce que c'est après, j'espère qu'il y aura des beaux dégradés au niveau des couleurs ici. Mais enfin, le layout était très joli, donc il n'y a pas de raison. Et donc oui, pourquoi 80 par 100? Bah, tout simplement, comme je vous ai dit, en fait, c'est la taille de la toile d'origine, en fait. Donc bah, j'ai voulu respecter ça. Et voilà, comme ça, j'aurai quasi l'original à la maison, mais en diamond painting. Bon, le rendu ne sera pas du tout le même. J'en suis bien consciente, on n'aura pas le jeu des textures et tout ce qu'il peut y avoir sur l'original. Qui est en vente d'ailleurs. Et si j'avais les moyens, elle serait déjà dans mon salon, très clairement. Mais voilà, bon pour la petite histoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais checker les diamants pour être sûre que, bah, qu'il ne manque rien ou que les quantités ne sont pas trop justes. J'essaie de regarder s'il y a des quantités qui pourraient être justes. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de sachet de rab, franchement. Pour information, sur cette toile, du coup, on a 25 370 310. Et on a pas mal de blancs aussi. On en a 13 673 diamants à poser.
Ouais, ça en fait, hein. Ça en fait, ça en fait. Mais j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Je pense que ça va être. Il me reste une petite boîte de libre. Je pense qu'elle va. Elle va. Enfin, je vais ranger les diamants ce soir, très clairement. Et je pense que je l'attaquerai très rapidement. Mais pour vous dire, ben, voilà, il y a tout ça de 310. Hein, c'est des sachets de 1000, du coup, quand c'est des gros sachets comme ça. Et du coup, sur le blanc, bah, pareil, on en a pas mal, quoi. Des belles couleurs, des beaux bleus, des beaux roses, et beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, beaucoup de gris. C'est normal, le fond est gris. Il y a une nuance de gris dans le fond de l'image. Mais voilà, bon, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire par rapport à tout ça. Donc, je vous rappelle du coup que l'artiste de cette toile, c'est Julie Benoît, qu'elle a un site internet, une page Facebook, une page Instagram, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Elle est un peu partout. Elle est partout, Julie. Donc voilà, si ces images vous plaisent, ben, n'hésitez pas, elle est super gentille, contactez-la. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Bon, je contrôle tout ça. Bon, à la rigueur, je vous mettrai un petit message maintenant pour vous dire s'il manque, bon, si c'est un peu juste sur les quantités ou quoi. Et puis, je vais clôturer cette vidéo parce que je suis très impatiente aussi d'envoyer à Julie en avant-première la vidéo parce que, enfin voilà, forcément, c'est la première fois que une de ses peintures sera faite en diamond painting. Donc, elle était impatiente aussi de voir le résultat et ce que je comprends tout à fait. Donc, si jamais il y a eu un souci avec les quantités, je vous le mettrai ici ou s'il me manque quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vendeur Dia Pie 5D Painting Store. Les diamants, c'est la qualité home fun. Quoi vous dire de plus, franchement, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon parce que j'étais tellement excitée en fait de recevoir cette toile-là que j'espère que mes explications auront été claires. Et puis, on se retrouve bientôt du coup pour un nouvel unboxing de chez Diapie puisque j'ai commandé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une autre toile en 80 par 120. Parce que j'ai pas assez de toiles déjà. Mais bon, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, je vous invite à me rejoindre. Je donne pas mal de toiles en ce moment où je vais sûrement revendre quelques-unes aussi. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook. Toutes les informations seront en barre de description. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!